au terrain. Merci beaucoup. Via l'amendement numéro 6, Madame Cukierman. Ah non. Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise un peu dans l'esprit de ce que vient d'évoquer Cédric Vial, dissocier les communes de moins de 1000 des communes de plus de 1000, pour les raisons qu'il a évoquées, mais parce qu'on n'est pas tout à fait dans la même nature de communes et que, comme vous, j'ai interrogé des maires de mon département, des élus de mon département, et que c'est plutôt dans les très petites communes que se pose cette question d'avoir du mal à réunir des candidats en nombre suffisant. Ça a d'ailleurs été évoqué, effectivement, quand ça représente 10% de la population, c'est un effort important. C'est moins vrai dans les plus grosses communes. Et d'ailleurs, ça a été dit aussi, on voit mal comment, alors que le travail d'élu est de plus en plus complexe, à moins d'élus, la charge va être moins lourde que lorsqu'ils étaient davantage. Et donc, cette diminution peut s'avérer très vite une mauvaise idée. Et puis, enfin, je crois qu'il faut qu'on s'interroge sur ce qui fait la crise de l'engagement, qui est réelle, et le statut de l'élu est, de ce point de vue-là, parfaitement bienvenu, mais qui ne peut pas se résumer ni au statut de l'élu, ni au nombre d'élus qui siègent dans les conseils municipaux. Parce que, comme l'a dit mon collègue Gérard Lahellec, quand un maire apprend ou ne sait pas, 3 jours avant la rentrée scolaire, si la classe menacée va être réellement ouverte ou fermée, quand les communes sont récompensées de l'effort financier qu'elles font pour maintenir la présence postale sur leur territoire par une diminution des crédits de l'État, quand les collectivités sont, comme c'est le cas beaucoup trop souvent aujourd'hui, pointées du doigt comme étant quasiment les principales responsables des déficits et des dérapages budgétaires, je crois que ça dissuade particulièrement l'engagement et qu'il faut qu'on redonne du sens au mandat d'élu local et que chacun d'entre eux se sente utile, soit réellement utile pour qu'on suscite cet engagement. Merci. Merci.